C'est quoi la différence? La texture. Lui, il est plus caoutchouteux et le goût, on dirait du pec citron. Donc, tu penses quoi? Je pense que le premier, c'est un vrai et le deuxième, c'est du faux. Voilà ton masque. Vraiment. C'est l'inverse. C'est pas vrai. Le premier, c'était l'ourson gélifié premier prix. Et là, tu viens de manger des gold beer Haribo. J'ai hyper chaud. Je transpire des aisselles. Ouais, bah au moins pas des aisselles, hein, partout. Du front, des cuisses, du cul. Yo les gars, c'est Jojo Alpat. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'ai fait revenir sur ma chaîne sa grosseur. Oui. J'ai fait revenir Ariana Ben Grandoun, aka Lisa Paps, ma petite sœur. Ça fait hyper longtemps qu'on n'a pas filmé ensemble. Ouais, vraiment des années. Donc voilà, j'espère que vous êtes contents ouais, déjà. Ça, ouais. Des années déjà que je t'ai pas vu, donc ouais. Salut. Pourquoi pas Melibar? Alors, si vous ne connaissez pas, je m'appelle Johan, c'est ma petite soeur Lisa. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. Si vous laissez 30 000 pouces bleus sous cette vidéo, on fait une deuxième version où c'est moi qui goûterai les produits avec les yeux bandés. Parce que là, c'est ma soeur qui goûte. Très très grande nouvelle, on a ouvert une chaîne de vlog. Voilà, j'ai ouvert ma chaîne de vlog qui s'appelle Les Aventures de Paps. Je vous invite à vous abonner, il y a déjà 30 000 abonnés dessus. Je vais publier des vidéos à partir de 50 000 abonnés. Donc voilà, je vous invite à vous abonner, vous avez toutes les infos en bas. Bah, moi, je vais faire des apparitions et tout. Et surtout pendant nos vacances, je vais m'amuser aussi à voguer un peu. Donc je disais, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo d'un nouveau genre sur ma chaîne. On va faire une vidéo premier prix vs marque. Donc Lisa, explique un petit peu le concept. Et bah en fait je vais me border les yeux et Joanne va me donner un produit donc, qui existe dans une version marque et dans une version premier prix. Et je vais devoir deviner laquelle est la marque. Exactement. Personnellement, je fais pas trop de différence entre les trucs de marque ou premier prix, mais après il y a des trucs genre tu fais quand même la vie, tu vois. Exprès, ouais, il y a des produits genre je m'en fous de prendre des trucs qui sont pas de marque, je pense genre les yaourts et tout, je m'en tape, tu vois. Ouais. Par contre, les bails, genre les céréales, le Nutella et tout, j'aime bien que ce soit ma marque. Ouais, les boissons, j'aime bien que ce soit celle de marque parce que je trouve qu'elles ont un goût différent. Mais on va voir si c'est psychologique ou pas et donc voilà, c'est parti. Voilà, Lisa, tu vas mettre autour de ta tête et pour couvrir tes yeux. Un petit masque de nuit de The Greatest Showman. Vas-y, go. Vas-y. T'es prête? Alors, le premier produit. En fait, j'ai essayé de prendre des aliments que ma soeur mange souvent au quotidien. Donc, le premier produit, c'est les cordeilles bleues. Parce que ma soeur mange tout le temps des cordeilles bleues. Ah, j'adore. Donc, il y en a un de la marque Lobolois. Il y en a un de la marque Ocean. Il faut que j'arrête de parler l'accent marseillais parce qu'il va rien comprendre. Ils sont très identiques dans le sachet. Ça, c'est le Gaulois et ça, c'est le Ocean. Enfin, excusez-moi, mais ils sont complètement identiques. On dirait deux grosses wings de poulet KFC. Donc, du coup, je vais les faire goûter. Vas-y, j'ai trop hâte. Ouais, ouais. Enfin, j'ai les crocs. Oui, je les ai fait chauffer. Hein, parce que faut pas abuser, je vais le faire manger froid. Donc, c'est parti. Je te fais goûter le premier. Tu me dis ce que tu penses et après, je te ferai goûter le deuxième. Vas-y, prends bien là où il y a du fromage. T'inquiète. Je t'ai pris un gros bout. Ouvre la bouche. J'ai vraiment tapé dedans aussi. Donc, ça, c'est numéro 1. Attends, ouais. Tu le goûtes aussi. C'est bon ou pas? Ouais. Maintenant, je te fais goûter numéro 2. Je sais. Attends. Là, je prends pas. Parce qu'elle a mâché, je suis mort. Arrête. Vas-y, mets ton masque. Super bon. Le numéro 1, c'était quoi? Le numéro 2, c'était quoi? Le numéro 1, c'est le premier prix. Enfin, voilà. Et le numéro 2, le Gaulois. Ouais, c'est exactement ça. Moi, je connais les goûts, moi. Comment tu sais? Le fromage, déjà. C'est pas le même. C'est pas le même, mais ils en mettent plus. C'est bon, en fait, je vais voir mon bœuf. Ouais, ce serait grave. Ah ouais? J'ai bien. À la fin, en fait, c'est un mukbang. On a pas dit la vérité. Moi, je remets. Vas-y, remets ton blindfold. Mais là, il faut que je boive un peu. Ouais. Là, il faut que je boive. Ouais, ouais, il faut de la boisson. Ouais. Donc là, je vais lui faire goûter une boisson. Avec l'étiquette rouge, je me suis cru sur TF1, genre je peux pas dire les marques. Soit du Coca-Cola, donc la marque, la vraie marque. Soit. Elle va goûter aussi du Coca-Cola. Donc le faux. Mais attention, j'ai pris. Là, c'est même pas la marque repère, j'ai pris vraiment le premier prix avec le pouce. Donc vraiment le Coca de la Hesse. Donc je vais faire goûter les deux, ils sont bien frais. Fais péter. Je te mets pas un grand verre, mais tu dois le finir. Je mets un tout petit fond. Ah ouais, une mais gorgée, si genre. Pas l'autre. Sans l'odeur, goûte. C'est numéro 1. Tu dois finir, non, tu dois finir. Maintenant, le numéro 2. Tiens, c'est numéro 2. Sans quand un bon vin. Non, mais je peux pas. La vérité, je peux pas. Il pue la mort, genre ça se voit, il sent les produits de shot là, tu sais. Bois, je te dirai après si t'as raison ou pas. Tu me prends vraiment pour une conne en plus. Goûte. Attends, ça a pas le même goût, ça a pas le même goût. On dirait, tu sais, les Mr. Freeze du Blade, genre. Ça le goûte ça. Tu sais, les Mr. Freeze du cola, ouais, c'est dégueulasse. Ça le goûte des bonbons Coca, genre. Ouais, voilà. C'est dégueulasse. Ouais, ouais, bah t'avais raison, tu peux enlever le masque. Le numéro 1, c'était le Coca-Cola, et le numéro 2, c'était le. Dans les boissons, on se dit, ça se différencie bien. Après, les autres trucs, je pense pas trop. Ouais, ça va, pas, on va voir. Mmh. On va voir. Bon, ah, je remets en fait, ton petit masque. Je fais la manie, mais je vais remettre le truc. J'ai envie de manger des petits biscuits là. C'est ce qu'on va faire. Donc,
en rentrant de l'école, Lisa a un petit creux. En mois de juillet, donc j'avais pas école. Et quand je publie la vidéo, ce sera en mois d'août. Elle a un petit creux. Donc elle aura le choix entre les véritables petits écoliers. Donc les vraiment les gâteaux que tout le monde mangeait dans la cour de l'école. Et. Tossé bolachas con tablette sabor a chocolate. Donc les biscuits poussent, les biscuits de la Hesse. T'es prête? Tu manges le biscuit entier? Ouais, vas-y. Là, tu goûtes le premier. Tout. Non mais c'est le goût surtout, ouais. Le plus important. Après c'est de l'ASMR, elle l'a touché dans tous les sens. C'est bon. On prend une deuxième bouchée. Bon. Et maintenant je te fais goûter le numéro 2. Lâche ce biscuit. Il va plus s'arrêter. C'est un peu fondu, je suis désolé mais il fait chaud. Bah les deux ils se valent. Tu vois pas une différence? Il y a juste une différence sur le biscuit. Genre le premier il fait plus cheap. Genre il fait plus sec. Donc je sais que c'est le premier prix. Ah bah tu vois, donc t'as trouvé. Asters, Asters, franchement, s'il y a vraiment une différence de prix, je serais capable d'acheter le premier prix. Hein. Ok, bah tu peux enlever. C'est vraiment assez bon. Tu peux enlever le blindfold. Ouais, parce bah voilà, le premier c'était le premier prix. Et en plus, c'est même pas marque repère ou masque. Non, scooter, franchement, c'est super. C'est vraiment premier prix. Ouais. Comme quoi, des fois, tu peux remettre le masque. Tu sais que j'ai encore envie de manger du cordon bleu là. Moi aussi. J'ai envie de finir ton biscuit collé. Moi aussi, vas-y, refini. Moi, je finis même le premier prix, j'adore. Maintenant, je vais lui faire goûter vraiment deux classiques pour lesquels les gens n'aiment pas switcher vers la marque repère. Je vais lui faire goûter donc du Nutella, donc la pâte tartinée normale. Et je vais lui faire goûter aussi la pâte à tartiner aux noisettes, donc la pâte à tartiner pousse, la plus premier prix quoi. Donc je vais te faire goûter. Tu veux goûter sur du pain ou tu veux goûter à la cuillère? Parce que j'ai pris du pain. À la cuillère. Le pain, je pense, ça va dissoudre le goût. Ouais, c'est vrai. Faut vraiment que tu analyses bien le goût. Tiens, ouvre la bouche. J'en ai mis partout, non? Merde. Je travaillerai jamais dans une maison de retraite. Je vais goûter, je vais voir juste. Et donc maintenant, le numéro 2. Ou bien, voilà. Quel bonheur. Premier prix. Exactement. Deuxième, bah ouais. Tu sens la différence de goût, hein, ça n'a rien à voir. Et puis même, ça goûte, c'est des Ferrero Rocher, si ouais. Tu le vois bien. Ouais, ça n'a rien à voir. En même temps, c'est entreprise, mais... Le premier, il n'a pas du tout le goût des noisettes, je trouve. Attends, je me fais passer avec un peu de coca. On a fait que rôter dans cette vidéo, on devrait mettre un compteur d'euros. Ouais, ça va mieux. Bon, et maintenant il reste un seul produit. Elle va devoir deviner entre les bonbons Haribo, donc les petits oursons qu'on mangeait quand on était petit, et les oursons gélifiés du pouce. Par contre, je vais te mettre deux du même goût. Ok? Ah ouais, ouais. Enfin, de la même couleur du moins. Toi, je me souviens plus quel goût ça a. Tiens, tends ta main. Ça, c'est le premier. Goûte-le. Tu goûtes quoi, fraise? Ouais, je crois que c'est fraise. Mm. Tiens, un autre. C'est pas bien de toucher la forme, ils ont la même forme. J'ai pas le même... C'est quoi la différence? La texture, lui il est plus caoutchouteux et le goût on dirait du pec citron. Donc tu penses quoi? Je pense que le premier c'est un vrai et le deuxième c'est du faux. Enlève ton masque. Vraiment. C'est l'inverse. C'est pas vrai. Le premier c'était l'ourson gélifié premier prix. Et là tu viens de manger des gold beer Haribo. Et bah la vérité, je préfère les premiers prix. Ils sont meilleurs? Ils sont meilleurs. Mais goûte, tu vas prendre le rose comme moi. Déjà t'as vu, la texture c'est bien. Mmh. Genre ça fond, c'est pas chiant à manger genre. Ok. Ouais, ils sont plus durs genre, ouais. Haribo. Ouais, ils sont meilleurs les faux. Ouais. C'est maintenant la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. En tout cas c'était grave cool de la faire. Ouais, moi j'étais chère contente. Et du coup, l'abonné du jour c'est Bruce Janel. Et si vous voulez être vous aussi l'abonné du jour, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la bébé cloche et à laisser un commentaire. Sur ce, on vous fait des grands bisous et on vous dit à... Pause. N'oubliez pas de venir nous suivre sur Instagram. Et on vous dit à très bien. Pour une prochaine vidéo. Ciao.